Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis développeur à BAM, qui est une boîte qui fait du développement mobile de manière agile. Bonjour, moi c'est Jean-Luc, je suis développeur chez Tono et on fait du développement web de manière agile. Voilà, donc vous pouvez trouver nos slides sur le lien en bas de la slide, juste là. Donc aujourd'hui, c'est un talk qui s'adresse plutôt aux débutants qui veulent découvrir les tests, qui sera en deux parties. Donc une première partie, qui sera du live coding pour les cas simples, et une deuxième partie qui sera un peu plus compliquée, mais toujours, qui reste simple, c'est vraiment pour la découverte. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite par les premiers tests. Donc, ça va être en live coding. Avec un peu de chance, ça va bugger. Donc on va écrire une librairie de test, enfin une librairie de maths. Donc elle va être très simple, elle va être composée d'une seule fonction, parce que bon, on n'a pas toute la soirée. Square. Bien sûr. What? Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou... Désolé, je recommence. C'était inattendu. Ok, et donc maintenant on va écrire notre premier test. Donc on commence par récupérer une librairie d'assertion qui va nous permettre de vérifier ce qu'on veut sur notre librairie qu'on veut tester. Donc on prend la librairie qui est disponible dans le cœur de Node directement. Et on récupère notre librairie de maths qu'on veut tester. Ensuite, on écrit notre premier test qui est extrêmement simple, qui consiste à vérifier l'égalité du carré de 3 avec 9. Et là, on va lancer le test. Donc en fait, c'est un fichier Node normal, donc on peut le lancer avec Node tout simplement. Et il n'y a pas d'output. Super. Donc c'est tout à fait normal parce que assert ne renvoie quelque chose qu'en cas d'échec. Donc là on voit un output avec quelques informations, donc typiquement qu'il y a une assertion qui a été qui ne fonctionne pas, la ligne où ça a failé et une grande stack trace. Maintenant je vous propose d'améliorer un peu tout ça avec quelques outils. Donc quelle techno on va utiliser? Donc on a le choix entre soit utiliser un framework de test complet type Jasmine qui va tout gérer pour nous en une seule fois, ou plusieurs librairies qui ont chacune leur rôle. Donc la première librairie que je vais présenter, c'est Mocha. Donc Mocha, c'est quoi? C'est un regard de test. Il rend la sortie des tests plus claire et il nous permet d'organiser nos tests de façon propre et sémantique. Donc comment ça fonctionne? On commence par dire qu'on veut décrire un comportement, enfin qu'on veut décrire des comportements d'un objet. Donc en l'occurrence, il s'agit de Square. Ensuite, on définit les différents comportements qui vont être attribués, enfin qui vont être inclus là-dedans, donc ça s'écrit de manière proche du langage naturel. Donc on met « it should return the square » et ensuite on met notre assertion dans tout ça. Donc là on a simplement changé le contenu pour décrire notre suite de test. Maintenant, pour lancer les tests, on peut utiliser directement Mocha. Donc là, je lui passe le fichier, mais Mocha va automatiquement chercher les tests dans votre projet s'il suit quelques conventions et les lancer. Et donc là, on voit que cette fois, quand le test réussit, on a bien l'output. Enfin, au moins, on sait que le test a été lancé et qu'il passe. En cas d'échec, l'output est beaucoup plus clair également. On n'a plus la stack trace qui ne nous servait pas à grand-chose. On a le test qui fail, qui est en rouge, et une comparaison claire des valeurs attendues et de ce qui a vraiment été fait dans le message. Donc voilà pour Mocha. À chaque fois vous avez le lien vers la librairie sur la slide si vous voulez récupérer les slides. Maintenant, assert c'est bien, c'est disponible dans le cœur de Node, mais c'est très pauvre en termes de sémantique. Donc du coup on va utiliser une deuxième librairie qui est Chai, qui nous permet d'avoir plein d'assertions à notre disposition. Ces assertions, elles sont, comme je disais, elles ont du sens et donc du coup elles ont des messages clairs pour chaque cas.
elles sont plus faciles à lire, et il y a trois syntaxes possibles. Donc assert, c'est proche de node, mais avec, comme je disais, plus de fonctions, enfin plus du assert de node, mais proche, mais plus de fonctions. Expect, c'est un style un peu impératif, et should donne un côté assez naturel à l'écriture des tests, enfin proche du langage naturel, donc du coup, nous on utilise should, mais c'est vraiment une question de goût. Donc, enfin, vous n'êtes pas obligé de nous suivre là-dessus, on s'en fout. Donc, si on utilise la librairie, ça va donner should equal 9, sauf qu'il faut la require. Et donc maintenant, l'output en cas de succès est le même. En cas d'échec, il est légèrement différent parce que nous avons une phrase comme message d'erreur au lieu d'avoir un égal-égal. Super, mais surtout, on peut écrire des choses plus intéressantes, type vérifier le type d'une sortie ou d'une variable. Donc là, je mets volontairement quelque chose de faux. Hein. Pour qu'on voit le message en cas d'erreur. Et bien sûr. Donc on voit un message clair et notre assertion passe. Ensuite, autre chose pour la fonction square, should list 0, ça donne positif, évidemment. Et donc. Donc voilà deux exemples d'assertions qui ne sont pas disponibles nativement dans l'assert et qui sont utiles donc avec Chai. Il y a également des assertions sur des promesses et ce genre de choses qui sont avec d'autres librairies encore. Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait avoir des assertions claires. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est aussi tester plusieurs cas de la fonction square. Donc pour faire ça, on a la solution bête, entre guillemets, qui consiste à dupliquer. Donc là, on voit que je duplique magnifiquement mes trois lignes. Et je teste avec moins 3. Ou 0. Donc là, premier problème, il y a une duplication. Deuxième problème, j'ai mis un test qui fail au milieu, ici. Et donc du coup, les autres tests ne sont pas runnés. Donc du coup, je n'apprends que mes erreurs une par une quand je les déplie. Donc comment on peut résoudre ça? Et bien tout simplement en utilisant une variable qui va nous permettre de définir différents cas de tests. Donc cette variable, je l'appelle squareData. C'est un tableau. Et dans chaque item, j'aurai un cas de test que je représente par un objet qui va contenir tous les éléments qui vont être nécessaires pour exécuter mon test. Ensuite, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va parcourir ces différents cas de test avec un simple for each. Il n'y a pas besoin de choses compliquées ou quoi que ce soit. On éclate nos variables entre value et expected directement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre hit à l'intérieur de tout ça et à supprimer la duplication. Donc là, j'utilise ma valeur d'entrée. Et quand je fais tourner les tests, donc je vois que le cas du milieu fail toujours. J'ai testé exactement la même chose que précédemment avec une duplication. Sauf que cette fois, je vois que le troisième cas, il est testé et il passe. Donc je pourrais apprendre différentes erreurs sur un même run, ce qui est beaucoup plus clair. J'ai plus de duplication, ce qui est très utile. Et surtout, je peux mettre un message plus sympa grâce à mes variables avec les vraies valeurs de chaque cas. Parce que là, on voit qu'on a trois fois le même message, ce qui n'est pas très intéressant. Et donc là, on a trois messages clairs. Donc du coup,
coup, nos tests, grâce à tout ce qu'on vient de découvrir, ils sont organisés dans différentes parties avec différents comportements qui peuvent être clairs si on a répété des cas. Donc cette stratégie, elle est très, très intéressante, notamment s'il y a des ifs dans le code pour tester différents cas. Par contre, il faut veiller à généralement pas l'utiliser quand il y a un cas d'échec et un cas de succès, parce que sinon, on se retrouve avec un corps du test qui devient compliqué, parce qu'il doit lui-même gérer le cas de succès et le cas d'échec, vu que les comportements ne sont pas les mêmes. Donc faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Thibaut. Donc ce que Jean-Luc vient de nous montrer, c'est toutes les bases pour mettre en place des tests. Moi je vais vous parler d'un cas plus concret, c'est-à-dire que quand on fait du JavaScript, on est vite confronté à devoir gérer l'asynchronisme, que ce soit en front notamment quand on fait un appel à une API, ou en back quand on fait un appel à une base de données. Et le fait de devoir gérer cet asynchronisme, bah, du coup, dans nos tests, ça veut dire que, en fait, on ne veut pas vraiment que les appels soient faits. C'est-à-dire que si je fais un appel à ma base de données, dans mon test, je n'ai pas envie de faire vraiment un appel à la base de données. D'une, parce que ça prend du temps. De deux, parce qu'on fait des tests unitaires et du coup, ça ne dépend pas de nous. Donc, comment on fait pour gérer ça? On va utiliser une autre librairie qui s'appelle Sinon. Sinon, ça nous permet de... Ça nous fournit plusieurs outils, les spy, les stub et les mock. Un spy, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va observer le comportement de notre fonction pour savoir si elle a été appelée, avec quels paramètres elle a été appelée et combien de fois. Un stub, c'est pareil, sauf qu'en plus, on va remplacer le comportement de la fonction pour lui dire si je suis appelé avec tel paramètre, renvoie-moi ça. Et enfin, un mock, c'est carrément quand on veut remplacer tout le contenu d'un module ou d'une classe par des fausses fonctions. Donc, de manière plus concrète, un premier moyen de gérer l'asynchronisme en JavaScript, c'est les callbacks. Je vous ai mis un très court exemple avec des callbacks. On a un module, un service, qui a une méthode getSuperError_list qui, dedans... fait un appel à la base de données qui, s'il y a une erreur, on log l'erreur et sinon retourne, appelle la callback avec l'erreur s'il y en a une et la liste de super-héros qui a été trouvée. Donc face à cette fonction, on peut vouloir tester deux choses. La première, c'est s'il y a une erreur, est-ce que mon erreur est bien loguée? Et la deuxième, c'est que la callback nous a bien été appelée avec l'erreur s'il y en a une et sinon la liste de super-héros. Donc pour faire ça, donc on a notre test, donc on écrit ce que c'est censé faire le test, donc le cas d'erreur, c'est il doit loguer et retourner une erreur. Donc pour loguer, on va définir un spy sur la méthode erreur de logger. Pourquoi un spy? Parce que ici, ça nous fait juste un log. On s'en fiche de remplacer le contenu de la fonction, on veut juste savoir s'il a bien été appelé avec les bons paramètres. Et après, par contre, là on va définir un stub sur notre méthode find du super-héros modèle. Pourquoi? Parce qu'on veut pas, comme je l'ai dit, on veut pas que l'appel à la base de données se fasse vraiment, mais on veut quand même que ça nous retourne une liste de super-héros ou une erreur. Donc, comment on fait pour cela après? Là, je viens juste de définir mon spy, mais il faut définir son comportement. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, méthode find, elle prend en premier argument une callback, qui va après faire toute la fonction. Donc, comment on fait pour dire que cette callback va être appelée? On va utiliser la méthode callWithArgwith, fournie par Sinon. Elle prend en premier paramètre, elle prend l'index de l'argument qu'on va appeler, donc c'est-à-dire l'index de notre callback dans ce cas-là, donc c'est 0. Et après, les paramètres de la callback. Donc ici, on veut une erreur, donc ça va être un message erreur. Ensuite, on appelle notre méthode getSuperHeroList de notre service SuperHero. Et dans la callback, on va pouvoir définir nos assertions. Donc la première assertion, ça va être l'erreur qui a été retournée est bien égale à l'erreur qu'on a définie ici. Il ne devrait pas y avoir de résultat. Et le logger doit avoir été appelé avec notre erreur. Donc voilà pour le cas d'erreur. C'est important de définir tous nos cas d'erreur en premier, comme ça on est sûr de ne pas en oublier. Et après on peut faire le test qui correspond au cas de succès. C'est-à-dire celui-ci. Donc c'est un peu le même principe, sauf que cette fois notre stub, on va l'appeler toujours à callGuardWith. Sauf qu'en premier paramètre de la callback, on va mettre nul parce qu'on ne veut pas d'erreur. Et en deuxième, on va mettre une liste de super-héros qu'on a définie au-dessus.
Donc de la même manière, après, on appelle notre méthode. Dans la callback, on vérifie qu'on n'a pas eu d'erreur. Et ensuite, on vérifie que notre résultat est bien égal à notre liste de super-héros. Donc là, c'est cool, je vous ai montré comment définir des spy et des stub. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, ça remplace le comportement initial d'une fonction. Donc pour éviter les effets de bord, on veut pouvoir restaurer la fonction comme elle était initialement. Donc pour ça, par défaut, il faut restaurer nos spy et nos stub. Ça se fait grâce à une méthode restore qui est associée à chaque spy et stub par sinon. L'ennui, c'est que, comme vous voyez, on est obligé de la mettre à chaque test et tout. Si on a plein de tests, ça peut être fastidieux de la remettre à la fin. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a un autre outil qui nous est fourni par Sinon, qui est la sandbox. Une sandbox, on la déclare, on la crée avant chaque test. On définit un stub. On crée notre stub à partir de cette sandbox. Et après chaque test, on va la restaurer. Ce qui fait qu'automatiquement, tous nos spy et stub déclarés, ils vont être restaurés après chaque test. Donc on n'a plus d'effet de bord et de comportement non désiré. Donc du coup, si on reprend mon exemple, on avait nos deux spy déclarés ici, et on avait les restores à la fin. Avec une sandbox, on doit juste les déclarer via sandbox.spy, sandbox.stub, et sera restauré automatiquement à la fin. Donc là, je vais parler des callbacks, mais on a également, on utilise maintenant plus souvent des promesses. Et donc du coup, je vous ai réécrit la même méthode, mais avec des promesses. Donc dans le point zen, elle nous retourne les super-héros, où elle pourrait faire n'importe quel traitement. Et dans notre point catch, elle nous log l'erreur et elle la jette. Donc comment ça se passe après pour refaire le test? On a toujours notre stub, sauf que cette fois, dans le cas d'erreur, on va lui dire directement « renvoie-moi une promesse rejetée avec notre erreur ». Ce qui fait que après, on appelle notre méthode getSuperHeroList. Vu que c'est une erreur qu'on a, on va faire un point catch de l'erreur et on vérifie toujours que l'erreur est bien égale à ce qu'on a défini et que le logger a été appelé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par défaut, si on veut que nos tests s'exécutent à la suite et bien, il faut retourner la promesse dans le test. Ça permettra à mon cas de savoir que notre test est fini et qu'il peut lancer les autres. Ensuite, on a le cas de succès qui est assez similaire, sauf que cette fois, on dit que notre stub retourne une promesse résolue avec notre liste de super-héros définie. Et après, on rappelle notre méthode, on passe dans un point zen et on vérifie que notre résultat est bien égal au résultat qu'on a défini. Donc voilà pour tout ce qui est asynchronisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que sinon, on nous fournit des spy et des stubs qui nous servent à remplacer le comportement de nos fonctions. Quand il s'agit de callback, on utilise la méthode callsarWith. Quand on utilise des promesses, on utilise des promesses résolues ou rejetées selon le cas d'erreur ou cas de succès. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi une bonne pratique d'utiliser des sandbox pour avoir nos spy stubs restaurés automatiquement. Voilà pour cette partie. Donc là, on est resté assez basique. On peut encore imaginer aller plus loin. Notamment, on n'en a pas parlé, mais ces technologies-là, elles s'appliquent aussi bien au back qu'au front, donc dans tous vos frameworks front-end, vous pouvez les utiliser. Peut-être qu'il faudra associer d'autres outils, comme par exemple Karma, pour les lancer dans un navigateur. Mais voilà, c'est possible back et front. Seconde chose, si vous voulez, vous pouvez ajouter une code coverage à vos tests. Comme ça vous permet de bien vérifier que vous avez testé les parties importantes de votre code et que vous avez bien testé tous les cas qui vous intéressent. Et sinon, dernier point, qu'on n'a pas parlé ici, mais il y a des outils aussi qui permettent de lancer vos tests en parallèle, ce qui fait que vous gagnez plus de temps. Nous, personnellement, on ne l'a pas expérimenté parce que nos tests sont toujours lancés assez vite, mais ça peut être utile quand on a une suite de tests très très vite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre talk, parce que moi je suis vraiment un grand défenseur des tests, donc c'est bien de promouvoir un petit peu ça. C'est pas une question, je crois que j'ai une petite remarque sur le slide 17, je crois qu'il y a une petite coquille. Ah, c'est possible.
Ouais, ou 18 après en fait. Je pense que le hit il devrait prendre une callback qui devrait être appelée dans le service. Mais, alors figure-toi que je le pensais aussi, mais quand j'ai utilisé le call service, je me suis rendu compte que tu passes directement à l'intérieur de ton test et que ça vérifie bien tes assertions et que t'as pas besoin d'appeler. Il fait ça de façon synchrone. Ouais, voilà, ça fait ça de façon synchrone, t'as pas besoin d'appeler. Enfin, notamment, sinon, il aurait fallu avoir un callback done ici et le mettre à la fin. C'est ce que je faisais au départ, mais je me suis rendu compte qu'il faisait de façon synchrone. C'est dangereux en fait de faire ça. D'accord. Quand on utilise du code asynchrone avec une callback, ouais. La convention, c'est qu'il faut jamais retourner appeler la callback de façon synchrone. Pour pas qu'on puisse avoir un comportement différent dans soit on appelle synchrone, soit pas synchrone. Donc toujours asynchrone et du coup toujours done. S'il n'y a pas done, c'est que l'API n'est pas correcte. Ouais. Okay. Bon, de toute façon, les promise, c'est mieux. Mais du coup, comment t'es sûr que toutes tes assertions passent? Parce que par exemple, tu vois, avec l'AB code, on peut dire le nombre d'assertions qu'on attend, et le test va failer si on les a pas, ce qui est en comportement asynchrone. Plusieurs fois, moi, mes tests ont failé, parce que, enfin, passaient, alors qu'en fait, toutes mes assertions n'étaient pas évaluées. Déjà, un premier truc à faire, c'est que si tu vois que ton test passe, tu vérifies quand même qu'il passe pas dans le cas contraire. Comme ça, tu es sûr que tu l'as bien écrit. Et d'autre part, là, en fait, pour moi, là, le test est vraiment synchrone, quoi. Vu qu'on a dit t'appelles ta callback, là, il n'y a vraiment aucune notion de le test asynchrone. J'ai la même question sur les promesses, sur la version de tes promesses, je crois. Yes. Okay. C'est peut-être plus clair, mais... Ok, alors la version avec les promesses... Là, en fait, si ta promesse, elle n'est pas rejetée, du coup, tu passes pas dans le catch, donc ton shorty call, il n'est pas exécuté, en fait, non? Alors ça, je suis absolument d'accord avec toi, c'est notamment un problème. Ce que tu pourrais faire, c'est mettre un point zen, où tu dis, dans tous les cas, si tu passes dans le point zen, c'est pas bon, par exemple. Mais je t'avouerais que nous, on n'a pas trouvé de bonne solution, justement, pour gérer... Enfin, on n'a pas d'excellente solution, enfin, vraiment, mais le seul truc qu'on a vu, c'est qu'on passe une callback done et du coup la callback te dit qu'elle n'est pas appelée. Et donc là, du coup, il faut que tu regardes en détail pourquoi elle n'est pas appelée et c'est la partie un peu. T'as pas le meilleur de ça. En fait, t'as donné une solution de toi-même quand t'as parlé. T'as dit Shai, c'est super bien, il y a même des trucs avec les promesses. Ouais, avec Shai as promise. Là. Tu peux mettre Shai vérifie que ma promesse a bien été rejetée. Ouais, should become ou should dirige avec les. Il y a des limites à Shai as promise. Ouais. Si tu veux tester plusieurs choses après que ta promesse a été résolue. Enfin, si tu veux tester plusieurs choses après que ta promesse a été résolue, enfin tu peux en tester qu'une, il me semble, de base. Du coup, c'est assez limitant. Alors moi, je sais qu'on avait vite rencontré les limites avec Shai as promise. Parce que je suis assez convaincu par les tests, je les utilise pour tout ce qui est petite librairie, petite bibliothèque, une collection de fonctions, choses comme ça. Et dans une vraie appli avec des services, des injections de dépendance, etc., on fait comment? C'est-à-dire que j'ai une appli avec des entités, des repositories, du cache. Je veux vérifier que quand j'appelle mon API, le truc est bien mis en cache, que quand un objet est modifié, le cache est bien changé, c'est bien persisté dans la donnée, etc., etc., etc. Et sauf que je m'étais penché un peu sur la question sur comment écrire des tests pour valider ça, et j'ai vite laissé tomber en me disant je vais passer au test fonctionnel en écrivant plutôt des tests PhantomJS, quoi, et en testant mon appli de l'extérieur, en vérifiant que ça se passe à peu près bien. Mais c'est pas des tests uniques. Bah du coup, ouais, mais c'est ça, c'est ce que tu as dit en fait. Enfin, en gros, quand tu veux tester la persistance dans la base de données, carrément, t'as pas d'autre moyen que faire un test fonctionnel. Et d'avoir une base de données à part de test, histoire de ne pas pourrir ta base de données normale. Mais sinon, tu testes le comportement avec un spy ou un stub sur... tu testes les effets de bord de ta fonction, en fait, tu vérifies qu'elle appelle bien l'appel à ta base de données. Mais tu ne pourras pas aller plus loin et vérifier que l'appel à la base de données se passe bien et que la configuration est bonne. Même avec des services, c'est-à-dire que par exemple, tu as des personnes, avec donc un service qui va gérer des appels à des gens, un service qui va gérer des appels à des objets, on mélange tout ça, un autre service qui gère des droits, donc qui croise les deux, et qui fait appel à éventuellement d'autres trucs qui vont filtrer les objets pour vérifier qu'ils ne sont pas validés ou pas. Ça devient, même si tu veux juste tester la validation des droits,
Quand il y a beaucoup de dépendances, ça devient vite l'enfer, et c'est un peu le but aussi, c'est que ce soit difficile de tester un code qui a trop de dépendances et trop de comportements dans une même fonction. Enfin, pour moi, le test unitaire a vocation à te dire là c'est trop compliqué, ça veut dire que soit tu l'assumes et t'as envie que ce soit compliqué parce que c'est pas pour avoir autrement, c'est un choix pragmatique, bah, c'est ton choix, ça m'arrive. Soit tu décides de découper et de faire des fonctions plus simples et de pouvoir moquer dans chaque étape ce dont tu as besoin. Et du coup, le but c'est de faire devenir la fonction suffisamment simple pour qu'elle soit facile à tester. C'est pas toujours. Ouais, mais c'est ce qu'il dit. Moi j'ai eu un cas concret où justement, je sais pas, j'ai galéré pendant une demi-heure à vouloir faire un test vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que si je séparais de la logique dans un autre service, bah, en fait, les deux services ils étaient découplés et enfin, tu pouvais tester chacun de façon super simple. Si je peux complémenter la réponse que tu avais donnée sur le fait que quand il y a beaucoup de dépendances, c'est difficile à tester, et même quand tu as des outils d'injection de dépendances qui sont censés t'aider à tester littéralement, quand il y en a beaucoup, ça devient, tu as beaucoup de cas. Donc tu as une complexité de fonction qui grandit énormément. Et quand tu arrives avec cette fonction qui, moi, quand je la teste, c'est difficile d'écrire le test. C'est bien ça ta question ? Parce que la fonction peut être simple, c'est-à-dire que dans la fonction, j'ai juste if il est l'auteur, il a droit, ça c'est simple. Mais par contre, pour savoir s'il est l'auteur, j'ai plein de services qui sont impliqués. Du coup, c'est dans le code des autres services. Ouais, mais chaque fonction peut être simple, c'est juste qu'il y en a plein qui sont impliqués. En fait, là où vous voulez en venir, c'est si le code d'une fonction est trop compliqué pour l'écrire, il y a un moyen très simple pour savoir comment écrire le test et avoir une fonction simple, c'est d'écrire le test en premier. Si les tests sont écrits en premier, c'est sûr qu'on saura tester la fonction. Voilà. C'est un truc, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, mais dans toute la coding démo, vous avez créé la fonction, vous avez créé des tests ensuite. Et une bonne pratique, c'est de faire ça dans l'autre sens. Comme ça, on est sûr d'avoir un test pour ce qu'on va écrire. À gauche. Moi, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une petite remarque par rapport à l'usage des stubs. Personnellement, dans mes tests, moi, j'utilise pas la valeur de retour du stub. En fait, quand vous faites silence stub, l'objet et la méthode, vous pouvez utiliser directement l'objet et la méthode, il est déjà stubé. Donc ça évite d'avoir des variables qui sont pas forcément utiles. Et aussi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous créez la sandbox dans le before each. Alors, pour la première réponse, du coup, ça peut être utile de le garder dans une variable parce que, imagine, tu vas définir ton stub dans plusieurs fonctions, donc tu vas le définir en haut, enfin, dans un before each, en variable globale, et après tu vas le faire retourner un comportement dans un test, un comportement dans un autre test. Du coup, c'est pour ça que ça nous sert de le stocker dans une variable. Mais sinon, oui, clairement, tu peux direct le déclarer sur ta fonction et lui dire qu'il retourne une telle valeur. Pour la deuxième remarque, qui est dans le before each, c'est parce que comme. Enfin, tu l'écrirais comment sinon ? Pour mieux comprendre ta question. Bah, pour moi, la sandbox, tu l'as créée une fois. En fait, c'est dans des before, c'est mieux. Okay. Before, after, ouais. Okay. Effectivement. Sinon, ça peut être aussi en variable globale hein, si tu en as besoin. Oui, oui, clairement. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est. Une coquille before after, ça suffit Ok, sinon merci. Ouais. D'autres questions? Ok, merci à tous.